Alors Fabien Verdier, nous connaissons votre intérêt pour notre ville de Châteaudun. J'aimerais savoir en quelques mots comment vous envisagez son avenir et comment vous envisagez-vous de votre engagement au service de cette ville qui n'attend qu'un homme qui soit capable de lui inventer un avenir. Moi, je vois deux choses pour l'avenir de Châteaudun. Le premier, c'est de donner un nouveau souffle à la ville, un nouveau souffle économique. On rencontre beaucoup les entreprises, les commerçants, les associations, tous les acteurs de Châteaudun. Et nous essayons ensemble de construire l'avenir, de préparer un projet municipal. Aujourd'hui, avec Michel Lestot, nous avons fait la troisième réunion publique, après l'hôpital, après le débat avec Catherine Locarte, la maire de Vendôme. Et nous avons vu qu'en rassemblant les énergies, on pouvait faire avancer un territoire, une ville, la ville de Châteaudun. Deuxièmement, je souhaite être maire à l'écoute, à la rencontre et à l'écoute des Dumois. Aujourd'hui, on est en proximité, sans cesse, en porte-à-porte, sur les marchés, à la rencontre des acteurs de Châteaudun. Et nous souhaitons le rester si demain les Dunois nous en donnent la responsabilité. Nous serons une équipe municipale avec un maire à temps complet auprès des Dunois et à l'écoute.